Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans la librairie Le Livre Voyageur, la librairie de Bruno Lalonde. Nous sommes le 22 juin 2016. Et aujourd'hui, ben écoutez, on s'intéresse à un personnage littéraire controversé, quelqu'un qui sent le soufre, on pourrait dire, Lucien Rabatet. C'est d'ailleurs pas pour rien qu'on s'intéresse à cet auteur-là en ce moment, c'est que Bruno Lalonde, notre distingué libraire, est en train de faire la lecture de sa plus grande œuvre, Les Deux Étendards, saluée par nombre de figures littéraires. Je pense à. C'est qui donc? C'était Albert Camus qui en avait pensé beaucoup de bien. Il y avait François Mitterrand qui était quand même parmi les hommes politiques un des plus lettrés. Et aujourd'hui, on va essayer de. Outre ses œuvres, et on va essayer de. Je vais te poser des questions sur le personnage parce que. C'est un personnage qui. Bruno a même commencé à lire sa correspondance que je lui ai prêtée, sa correspondance de prison. Et correspondance avec Roland Cailleux, qui a été publiée au Dilettante. Au Dilettante, oui, c'est un tout publié. Petit volume. Et Roland Cailleux lui fournissait des livres pendant son séjour, pendant son incarcération à la prison. Suite à sa condamnation. Condamnation à mort qui avait été commuée en peine de prison, si je ne me trompe pas. Parce il a fait 6 ans en prison et il a passé 1 an et demi au fer. Alors, accroché avec un boulet, c'est assez intéressant comme existence. Et pour finir, Roland Cailleux lui fournit des livres et il juge avec une très grande dureté le premier roman de Simone de Beauvoir, L'Invité, qui dit que c'est un roman de tendance, à la tendance style américaine, ouais, mais avec des métaphores empruntées un peu. Il accuse surtout d'avoir un mal écrit qui dit « fait exprès », mais pas si fait exprès que ça, dans le fond, qu'elle aurait... Ben, il accuse carrément que son pseudo relâché, c'est de l'impuissance à savoir écrire correctement. Oui, exactement. Bon. Donc, Et les histoires sont ténues. Bonjour. Bonjour. Les histoires sont ténues, minuscules. Ce qui est aussi le cas des deux étendards, parce que on peut pas dire que c'est un roman d'aventure, c'est pas un roman picaresque. Non. C'est pas une grande fresque non plus, encore que ça décrit plusieurs tableaux du Paris des années 20, de Lyon dans les années 20. Surtout de Lyon. Surtout de Lyon. Oui. Et c'est une. Dans le fond, vous pouvez voir, là, il vous l'a montré tantôt, mais c'est un réel pavé de 1300 pages. Oui. Et dans le fond, si vous pouvez nous en faire un. Ça se résume pas vraiment, c'est pas une histoire qu'on résume. Ben, si vous pouvez nous en tracer les grandes lignes. Ce qui me frappe, évidemment, c'est le mauvais jugement politique de Rabatet. Mais Rabatet détestait son époque. Ah bon? C'est un passéiste ou. C'est un élitiste. Bon, OK. C'est un élitiste. Il honnit l'enseignement républicain. Il ne croit pas du tout à l'égalité entre les hommes. Il ne croit pas que ce soit une bonne chose. Il croit que c'est une fumisterie. Il croit que ceux qui propagent cette idée-là d'égalité entre hommes, c'est des canailles. C'est une façon de ni plus ni moins. Ouais. Ah, il va jusque-là. C'est des bandits. Alors, Rabatet déteste les communistes. Il déteste les capitalistes. Il déteste les catholiques. Il déteste les socialistes, il déteste les juifs. Rien ne trouve grâce à ses yeux. Il déteste la démocratie, il considère que c'est une autre fumisterie. Alors, dans un contexte où un homme déteste autant, c'est ça pour moi qui est une chose étonnante, c'est qu'aujourd'hui, qui sait détester avec autant de virtuose? Oui, de virtuosité, on peut dire. Ouais. Qui sait détester avec autant de virtuosité? Notre époque. Qui sait faire ça? Alors, soit tu... Salut, Michel. Félicitations. Hey, merci. On est en train d'enregistrer une petite vidéo. Tu me donnes quelques minutes? Ah non. Ben, plus tard. Et donc, alors, soit aujourd'hui tu te classes à gauche ou soit tu te classes à droite et idéologiquement, tu te calmes sur tes positions. Dans le cas de Rabatet, il tire à boulet rouge sur tout le monde. Quoi. Rien ne trouvait grâce à ses yeux. Par contre, il était pro-européen. Oui. Alors là, il rejoint quand même, on va dire, un consensus assez largement établi. Et germanophile, si je ne m'abuse. Germanophile par la musique. À cause de Wagner, c'est un grand wagnérien. Et un grand amateur de Bach et de Mozart également.
Alors donc, c'est par la musique qui devient germanophile. Nous dirons au demeurant que Rebatet, outre ses romans, ses quelques romans, Les Épumeurs, Les Deux Étendards, son pamphlet Les Décombres, est l'auteur d'une histoire de la musique. Lui qui n'avait suivi aucune formation, si je ne me trompe pas, en musique, qui a écrit une histoire de la musique qui a été saluée par des professionnels. Oui, puis qui est toujours réédité chez Robert Laffont. Oui, dans la collection Robert Laffont, dans la collection bouquin publiée chez Robert Laffont. Elle est, semble-t-il, moi je ne l'ai pas lu, toi non plus, j'imagine, non. Tu l'as parcouru. Et il n'y avait aucune formation musicale? Il ne connaissait pas la musique? Il ne savait pas lire le solfège? C'était pas un musicien, en tout cas, ça c'est ce que je sais. Il a joué d'aucun instrument, en tout cas, pas à ma connaissance. Et c'était quelqu'un aussi qui s'intéressait à la peinture. Je suis sûr du coq à l'âne, mais c'est ouais. Quelqu'un qui a passé des journées au Louvre, qui allait tout le temps, qui courait les salles de musique. Ouais, ben d'ailleurs, tu vois, tu il est ici avec son ami Régis. Vas-y, nous en lire un extrait. Ouais, et Régis s'extasie sur la Joconde. Régis, qui va devenir prêtre, Régis qui est jésuite, qui va devenir un prêtre, eh bien, est un musicien de talent aussi. Il faut dire, Rebatet le tient en très haute estime. Et alors là, il est Régis devant le Louvre. Michel s'irritait de le voir figé entre plusieurs pécores, dont une contemplation éperdue de la Joconde. Maître Vinci au-dessus de tout, c'est une évaluation morale, et ce n'est pas aimer la peinture. Je le lui ai rabâché 20 fois, mais il n'a pas senti ce que je lui disais. Les pécores dégoisaient sur l'expression immatérielle de Mona Lisa, et Régis hochait gravement la tête. Écœuré, Michel se planta devant le concert champêtre, dont la sève, la chaude poésie l'éblouirent, par contraste avec la subtile Florentine, un beau tableau, Fichte. Cette Joconde, un peu trop peinture, pour supporter sans dommage son écrasante gloire. Écoute, c'est quand même un passage assez extraordinaire. Un peu trop peinture, pour supporter sans dommage son écrasante gloire. Alors là, c'est clair, on est toujours en présence de certaines œuvres qu'on ne peut pas ne pas aimer. Hein? Il y a un consensus qui s'établit autour d'elles. On ne peut pas ne pas les admirer. Et quelle sorte de connaisseur, quelle sorte d'amateur, quelle sorte d'esthète serions-nous si nous les réprouvions, ces œuvres d'art-là qui font l'unanimité? Alors, Rebatet, ici, il écorche plusieurs grandes divinités artistiques. N'hésite pas à le faire. Et il le fait avec des arguments sentis. Il le fait avec une finesse. C'est ça qui me trouble le plus. Parce que on se dit, sur le plan politique et sur le plan moral, c'est une canaille, c'est un salaud. Ça, il n'y a aucun doute. Je veux dire, son journal Je suis partout a dénoncé des Juifs. Il a collaboré avec un régime ignoble, et en même temps, et dans le même souffle, dans le même élan, il fait preuve d'une finesse, d'une subtilité intellectuelle, une acuité d'analyse des sentiments humains, que c'est à se demander, c'est une question qui me taraude, c'est à se demander si le mauvais jugement politique n'est pas en corrélation avec une certaine finesse. Ah, aujourd'hui, on trouve des artistes qui sont bien pensants. Ils sont, bon, ils sont des écologistes, ils sont de gauche, ils sont ouverts à la diversité. Mais en même temps, ils sont obtus. Et en même temps, ils sont sourds à certaines vérités. Ils sont aveugles à certaines beautés. Ils sont infirmes devant certaines nuances. Tu as même l'impression que certains artistes, certaines personnes en général, ont adopté une position politique et font sans cesse les ajustements nécessaires à cette position-là initiale. Ils se disent, c'est vrai pour la gauche, c'est vrai pour la droite également. Ou c'est vrai aussi pour les apolitiques, qui jugent toujours les choses de haut, qui jugent toujours en surplomb. Mais la question que je devrais te poser, c'est que, bon,
Ses arguments, son argumentaire ou son plaidoyer anti-ci, anti-ça, toi, tu y crois comme étant un jugement provenant du cœur. Ben, mais est-ce que tu penses que lui y croyait? Est-ce que tu penses que ces jugements-là ne participaient pas d'un cœur rempli de fiel ou de... C'est la question que je me pose là. Ben, il y avait une vraie colère à l'égard de son époque. Il y a une vraie détestation de son époque. Ça, c'est pas fin. La détestation, elle n'est pas feinte. Et pour moi, c'est le génie de l'adolescence. D'accord? C'est... Il refuse tout. Il refuse tout en bloc. Il n'a pas envie de s'encanailler avec la gauche. Il n'a pas envie de s'avilir avec la droite. Il est furieux. Tu comprends? C'est le génie rimbaldien. C'est le génie furieux de l'adolescence. Qui est en révolte. Et qui aspire à une sorte d'absolu. Et là, il se retrouve en prison à rédiger ce livre-là qui lui a mis 4 ans à rédiger. Et je pense qu'il essaie, par une sorte d'assomption par l'imaginaire et la sensibilité, de revenir là où c'est fourvoyé politiquement. Pourquoi il est devenu pro-nazi, fasciste, parce qu'en fait il était davantage un fasciste qu'un pro-nazi, c'est par fidélité, au fond, à sa révolte d'adolescent. Il refusait tout en bloc, il était en colère contre tout, et quand on se replace dans l'entre-deux-guerres, tous les régimes étaient décevants. Les démocraties avaient échoué, le capitalisme avait échoué, on était déjà au courant des camps soviétiques. L'utopie était impossible. C'est pour ça, ben, c'est quelqu'un qui a écrit à l'Action française, oui. Qui était proche, je ne sais pas si on peut dire proche, mais de Charles Maurras. Est-ce qu'on peut dire que... Oui, il était maurrassien sans être monarchique. Ah bon. D'accord. Ben, c'est assez spécial dans ce cas-là. Ben oui, parce que pour être un véritable monarchiste, il faut être déiste. Il faut croire que le... Ça procède du droit divin. Oui, exactement. Que ça procède du droit divin. Alors évidemment, lui était athée. Alors, les consolations surnaturelles n'étaient pas de son fait. Les consolations... Il les trouvait dans l'art, dans la pratique de l'art, dans la contemplation studieuse, attentive des grandes œuvres et dans la critique également d'œuvres que lui jugeait surfaites. Comme là, vous avez entendu le petit passage. Il y a un passage qui est assez long puis où son alter ego, Michel, s'en prend à un poème de Charles Baudelaire. Il est évidemment... Je vais te lire un autre passage aussi que j'ai partagé sur ma page Facebook sur Stravinsky. Il avait vu Stravinsky dirigeant l'histoire du soldat, ce chef-d'œuvre, allègre, amer et griffu, qui était par excellence plus encore que le sacre, la musique de ce siècle, précipitée, géométrique, grinçant, bigarré, charnel et somme toute, adorable. Alors, cette espèce d'enfilade d'épithètes contradictoires donne un... T'as l'impression d'entendre du jazz, t'as même l'impression d'entendre les premières mesures du sacre, hein, qui, comme tu le sais, sont tonitruantes, sont saccadées, sont intempestives. Et on a parlé aussi, évidemment, et... du fait que la composition des deux étendards était construite comme une pièce musicale, avec une intro, avec tous les termes qu'on peut utiliser en musique, avec des moments forts, avec des moments où le rythme baisse, et après ça, c'est suivi encore par d'autres moments emportés, avec des élans. Alors, je ne suis pas musicien, et je n'ai pas assez de connaissances en musique pour aller te dire là où ça s'articule et comment ça s'articule. Mais c'est clair, en tout cas de ce qu'on en a dit, c'est que c'était construit comme une pièce musicale. Alors je vais te lire un dernier petit passage, on va conclure là-dessus si tu veux bien. On pourra se reprendre lors de ta prochaine visite si tu veux. On a bien des choses à dire là-dessus. Alors Régis se prend d'admiration pour Les femmes damnées de Charles Baudelaire. Et il n'est absolument pas d'accord. Il n'est absolument pas d'accord. Il dit que c'est
que c'est raté, au fond. Donc, ta minute. Ah, c'est peut-être pas celui-là. Il dit que c'est du faux. D'accord. Écoute, ça sera la prochaine fois, parce qu'on a, comme d'habitude, on n'est pas prêt, c'est de l'improvisation. Non. Eh bien, sur ce, je peux conclure, si tu me le permets, Bruno. Oui, ben d'ailleurs, je te laisse le mot de la fin. Alors, rebattez, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Deux épithètes, définissez-les en deux mots. Moi, je ne l'ai pas assez fréquenté comme toi. Génie de l'adolescence. Parfait. Alors, rebattez génie de l'adolescence. On va probablement continuer. Ça va donner des suites. Sauvé par... sa puberté. Sauvé par le travail de l'art. Et ses errances politiques gommées par, par son implacable rigueur sur le plan esthétique. Mais ça n'en demeure moins troublant qu'un individu... épouse toutes ses... aussi amoral... puisse avoir créé une œuvre si admirable. On aurait envie de dire que tu peux pas être un salaud quand tu fais une œuvre comme ça. Même si tu erres totalement sur le plan politique. Ton œuvre te rachète. On aurait envie de dire ça. Bon, alors tout est dit. Likez la vidéo, laissez un commentaire et on se revoit. Merci. Allez, au revoir et vous connaissez la suite, ma librairie d'occasion, le Livre Voyageur, dans le quartier Côte-des-Neiges à Montréal, 514-736-0999. Yes.